Alors, je vais faire un test pour l'allumage. Donc, comme je te disais, Attends, ça va pas être facile parce qu'avec les doigts là. Bon, je vais te montrer, je te le redis, mais je vais le faire sans tenir le téléphone parce que j'y arriverai pas. Tu gardes. Hop. On enlève la sécurité. Tu gardes appuyé la gâchette. Tu appuies là. Et à moins que. Attends, peut-être que je peux le faire avec un système D. Voilà. Donc, je te disais, tu gardes appuyé la gâchette. Tu appuies sur le bouton de la carte. Hop, c'est bon. Normalement, écoute, tu vas entendre un clic. Voilà. Donc, comme je te disais. Coup par coup, et après au bout d'un moment ça fait du full, donc tu fais rapide, tu vois. Attends, on va attendre 2 secondes. Hop, coup par coup, full. Je vais mettre de l'air, je vais te faire écouter. Donc j'ai mis de l'air, tac. Alors voilà, ça fait du bruit. Donc maintenant, des choses numéro 1 à expliquer. Ce manot, tu ne le touches jamais. Le réglage de ce manot, c'est cette vis qui est là, avec la grosse clé. En fait, ça veut dire l'entrée d'air qui va dans le lanceur. Ce n'est pas la vélocité. Ne comprends pas qu'il y a marqué 200, mais ce n'est pas la vélocité. Je ne tire pas 200. Ça, c'est juste le minimum d'air qu'il te faut pour tirer une bille. Donc, en fait, quand ta bouteille est en fin de parcours, tu vois, c'est démultiplié. En fait, ta bouteille, là, tu vois, elle marque 1, 2, 3, c'est 1000, 2000, 3000. Et là, c'est de 100 en 100. Donc, tu vois très bien que la bouteille, moi, c'est une bouteille de base comme toi, là, et il y a marqué 0,500. Et lui, il a encore de l'air. Donc, comme je te disais, tu peux tirer encore un demi-loader. Donc, en fait, chaque fois que tu tires, tu as l'aiguille qui bouge. Voilà. Tu vois, hop, elle a perdu. Ça veut dire, bah, j'éteins le Mamba, c'est normal. Hein. Tu vois, avec en fait une réserve de Mamba, tu peux tirer encore 2 billes, voire même 3. Il faut jamais que ça dépasse les 200. Jamais. Voilà, faut toujours que ce soit à 200. Ensuite, bon, ben ça, après, tu sais faire, hein, débrancher le Mamba, tout ça. Donc, je te refais une vidéo là pour l'entretien.